Hello les beautés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve avec mon pull de Noël pour vous faire le petit bilan du calendrier de l'Avent The Body Shop pour le Lohoro numéro 26. J'ai changé de cadre, mais c'était juste parce que ça ne me plaisait pas. Alors, j'ai tout trié par type de produit. Alors en tout premier, on a reçu une brume visage à la rose qu'on peut mettre sur le maquillage et une eau de toilette au musc qui sent ultra bon. Franchement, je suis assez difficile en parfum, mais c'est super fleuri. Donc ça, en format 30 ml et ça en format 60 ml. C'est quand même des beaux formats. En termes de make-up, on a reçu deux Shine Lip Liquid, ces deux-ci. On a reçu en teinte Cherry et en teinte Apple. Ok, donc en fait, ce sont tous des fruits, si j'ai bien compris, et sont de très jolies teintes. Je n'ai pas encore testé, je dois vous avouer, mais je pense que ça peut être pas mal. J'aime déjà bien l'embout. Mais non, je pense que ça sent l'odeur. Attendez. Oui, très exactement. En fait, ça sent l'odeur du fruit indiqué. Donc ça sent la cerise et ça sent la pomme. Je trouve ça juste génial. Toujours en termes de make-up, on a reçu un pinceau à ombre à paupières. Ça, c'est tellement toujours utile. C'est tout des grands formats. Et alors, des make-up. On a reçu un démaquillant pour les yeux à la camomille en 250 ml. C'est un quart de litre. C'est juste énorme. Et j'adore leur packaging type comme ça. Je trouve ça juste ouf. Et puis, franchement, il a l'air vraiment bien la camomille, c'est super bon pour la peau. De toute façon, je vous ferai des retours. Ensuite, en termes de masque, on a reçu en 75 ml, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un pot énorme. On a reçu un masque purifiant éclat et il est juste terrible dans l'odeur. On sent que c'est naturel, il n'y a rien à faire. Ce que j'ai adoré dans ce calendrier, c'est qu'il est vegan et apparemment, en achetant le calendrier, on aidait les femmes à réaliser leurs rêves. Il faut que j'aille un petit peu me renseigner. À mon avis, il devait reverser à certaines femmes pour qu'elles puissent réaliser leurs rêves, enfin, à certaines associations, etc. Mais dans tous les cas, j'ai beaucoup aimé aussi le fait que sur chaque case, il faisait écrit, par exemple, aujourd'hui, on va parler de telle femme qui a fait telle chose. En fait, on mettait vraiment en valeur les femmes et je trouve ça tellement important. On a reçu également deux masques unidoses, donc un masque tissu concentré jeunesse et alors un masque tissu calmant à l'aloe vera et ça l'aloe, surtout si vous avez un coup de soleil, c'est super bon. Je m'axe pas trop la période, mais bon, il y en a qui partent aux Caraïbes pour les fêtes et alors toujours pour vous maquiller ou pour faire un bon masque et tout. On a reçu ceci, vous mettez comme ça, on a reçu ça hier d'ailleurs. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, bah elle dure 2 minutes donc vous n'avez pas d'excuses. Ça, je trouve ça plutôt pas mal et en plus, c'est tout doux. En termes de cheveux, on a reçu le shampoing et l'après-shampoing, donc c'est pour faire briller les cheveux, shampoing brillance tout simplement. Et ça, je trouve ça génial parce que ben, moi j'aime bien toujours travailler par gamme, donc j'adore avoir des produits qui sentent la même odeur. J'adore surtout l'odeur de l'après-shampoing. Et ça, c'est tous les deux en format 250 ml. Et vu que mes cheveux sont souvent ternes, c'est génial. Par contre, j'étais persuadée qu'on allait recevoir le shampoing à la banane, mais en fait non, on a juste reçu le masque. C'est pas grave, je me ferai une petite routine, les deux fraises et ça à la banane. Bon. Oh purée, j'ai envie de le bouffer ce masque tellement il sent bon. Et ça, c'est pour nourrir les cheveux. C'est pour les cheveux normaux, à sec. Et la banane, c'est ultra nourrissant. Je pense qu'il n'y a rien de mieux. En termes de crème pour les mains, je sais pas si je vais avoir assez d'une seule année que pour pouvoir me mettre tout ça. On a reçu donc la crème pour les mains à la noix de coco 30 ml. Et ça, c'est génial parce que j'ai le beurre corps coco, donc je vais sentir super bon. Et on a reçu en deux fois des formats 100 ml. C'est énorme. Je sais pas si vous réalisez à quel point c'est énorme. Donc j'ai reçu la crème pour les mains à la Moringa, je sais pas comment est-ce qu'on dit en français. Et alors, à la rose anglaise. Et ça, c'est une crème douceur pour les mains. Et ça, c'est du Rwanda. Donc la Moringa vient du Rwanda. Je pense que ça peut être une fleur. Si c'est une fleur, c'est juste ouf, quoi. Les formats sont énormes. C'est typiquement le genre de gros pot que vous pouvez mettre à côté de votre table de nuit. C'est génial. Franchement, c'est génial. En termes de crème pour le corps, on a été tellement gâtés. On a reçu donc cette crème hydratante velours à la camélia japonaise et cette crème nature hydratante à la carotte. Et franchement, on peut pas louper que c'est de la vraie carotte. C'est pas chimique, ça pue la vraie carotte. Je déteste le temps des carottes crues, mais bon, apparemment c'est ultra bon pour la peau, c'est ultra nourrissant. Donc bah s'il faut, il faut hein. Ce sont des carottes du Royaume-Uni, deux crèmes hydratantes comme ça. Crème hydratante, éviter le contour des yeux. Mais est-ce que c'est une crème pour le visage? Je sais pas. Faudrait que je m'en renseigne, mais je pensais que c'était une crème corps. Dans tous les cas, j'irai me renseigner avant d'utiliser. Toujours pour l'hydratation corps, on a reçu un body yogurt à la rose anglaise, encore une fois. Regardez un petit peu l'onctuosité.
On dirait vraiment un yogourt. Et ça, je l'ai à la banane. Ça sent tellement bon. Ça, c'était en 200 ml. La crème à la carotte, 50 ml. La crème à la camélia, 50 ml. Alors, ensuite, on a reçu les beurres corps douceur. En 50 ml, on a reçu la Juicy Pear. Oh, celle-là, je l'adore. C'est une de mes préférées. Qui faisait partie de la collection de Noël de cette année. Et on a reçu également en grand format, en 200 ml. Donc, à la chia. Je sais pas comment on dit chia. J'allais vous faire sentir. Genre, j'étais en train de me dire, allez, sens. Non, mais ils sentent pas, alors. Mais s'il y avait une option senteur, enfin, sentir, odorat, tout ce que vous voulez, tous ces produits, on sent que c'est naturel, il n'y a rien à faire, c'est vegan, c'est cruelty free. Oui, oui, tout est légumes, fruits, c'est cruelty free. Je trouve ça juste génial. Je sais bien que je vais dire 50 fois, je trouve ça génial. Mais que vous dire de ce calendrier, quoi. Ensuite, en gel douche, on a reçu en 250 ml, encore un gel douche à la rose anglaise. On a reçu également un gel douche en format 60 ml à la Warm Vanilla, donc qui faisait partie de la collection de Noël également. On n'a juste pas reçu un produit de l'autre gamme, et ça je trouve ça bête. Ils auraient dû quand même mettre un petit produit de l'autre gamme de Noël, parce que j'aurais vraiment été curieuse de vouloir sentir pourquoi on a reçu ces deux produits. Et en fait, ce que je trouve génial, c'est que je vais pouvoir me faire mon petit rituel. Donc me laver le corps avec ça, m'hydrater avec ça, parce que ça va ensemble. Et pour que mes mains ne sentent pas différent que le reste de mon corps, ceci, la crème pour les mains. Alors, on a reçu aussi un exfoliant pour le corps à la coco. Sont tellement bons. Et ça, je suis trop contente. Ça sent vraiment le yaourt, le Danone à la coco, mais en moins chimique. Donc ça, combiné avec la crème pour les mains et mon beurre corporel coco, combo parfait. Je vais pouvoir me faire un petit rituel. C'est toutes des odeurs que j'adore, donc je suis conquise. Et les deux derniers produits de ce calendrier d'avant, c'est pour le visage. Donc on a une crème revitalisante intense pour le visage en grand format. Je sais pas si vous réalisez, c'est en 50 ml. C'est un espèce de drops of youth. Donc ça doit être des gouttes de jeunesse. Hein, c'est de l'huile. Et donc c'est un concentré jeunesse en 30 millilitres à tester. À mon âge, on peut déjà commencer à mettre des produits anti-âge. La vieillesse arrive, je le vois déjà avec mes beaux rides d'expression qui sont plus marquées là que là. Peut-être que si j'étais pas expressive, eh bien, j'aurais pas de rides, mais que serait Laura sans expression? Que vous dire sur ce calendrier? C'est le Big Big calendrier. À l'achat, il coûte 120 € et je pense que sa valeur totale est à 300 €. Et je vais vous dire la vérité, je le crois. Comme le NYX, celui-ci ne contient que des grands formats. Enfin, que des grands formats. Des formats vendus en boutique, c'est-à-dire ceci, vous pouvez l'acheter en boutique. Tout comme ceci qui est énorme. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont mis des très grands formats et des plus petits formats. Mais ce sont tous des formats que vous pouvez retrouver en boutique. Ce ne sont pas des échantillons. On nous a vraiment gâtés. Le rituel, c'était pas mal l'année passée, mais pour avoir testé beaucoup de calendriers de l'avant, il y a beaucoup de calendriers qu'on paye, certes pas cher par rapport à ce qu'on peut tester, mais cher dans le sens où ce ne sont que des petits produits. Quand on dit que ce calendrier a une valeur réelle de 300 €, j'y crois. Et je pense qu'on continue à soutenir ce genre de marques qui sont vegan, cruelty free. On peut vraiment les aider à avoir un impact parce qu'ils ont un réel impact. Et en fait, je dois vous avouer que cette marque en Belgique, il faut se rendre à Bruxelles, quand même assez loin, pour pouvoir se procurer des produits. Je suis entrée une seule fois dans un magasin The Body Shop et cette fois-là, je défauchais. Clairement, je vous dis la vérité, donc j'ai rien acheté. Et cette année, quand j'ai pu recevoir le calendrier d'avant, j'étais tellement heureuse. Quel bazar, j'ai dû le faire livrer à une amie en France parce que en Belgique, ils ne livrent pas. D'ailleurs, s'il vous plaît, The Body Shop, si vous passez par là, il faut y remédier absolument parce que vos produits, c'est des pépites. Et la Belgique en est privée en quelque sorte parce qu'il n'y a que 2 ou 3 magasins. Si on n'habite pas à côté, on n'y va pas forcément. Et j'ai eu un réel coup de cœur. Vraiment un réel coup de cœur. Si je dois vous conseiller un calendrier, comparé à certains, peut-être qui vont vous coûter 90 €, vous rajoutez 30 €. Au final, c'est quoi? C'est pas énorme. Comme différence, je veux dire. Si vous êtes prêt à mettre 90, je suis désolée, 120, c'est pas énorme. Et pour la différence, vous allez vraiment profiter de vos produits. Vous allez vraiment pouvoir recevoir des grands formats. Et au final, c'est toutes les choses qu'on utilise au quotidien. À part peut-être les rouges à lèvres ou le pinceau pour les yeux qu'on va moins utiliser. Mais moi, personnellement, tout ce qu'ils ont mis, c'est toutes des choses que j'utilise. Donc là, si j'ai des crèmes pour les mains, je vais pas m'en racheter. Pourtant, c'est des choses qu'on applique tous les jours sur ses mains. Les crèmes hydratantes de corps, pareil, on s'hydrate le corps. Et là, j'en ai, donc je vais pas devoir en racheter. Donc au final, c'est un bon investissement. C'est pas comme certains calendrier, on a des petites bêtises. Comme j'ai été déçue de certains, mais ça, ce sera pour les bilans des autres calendriers. Mais voilà, que vous dire, à part que c'est mon plus gros coup de cœur. La vérité, c'est que j'ai un peu vous spoiler, mais les autres sont bien. Mais si je dois vous en recommander un seul, si vous aimez le soin, c'est celui-ci. Vraiment, je suis très sincère. Je suis amoureuse de ce calendrier. Je suis tombée amoureuse de l'éthique de cette marque. Pour moi, elle mérite plus de reconnaissance dans notre pays, la Belgique. Et je suis éternellement reconnaissante à des marques comme ça qui montrent en fait que voilà, il n'y a pas besoin de maltraiter des animaux. Il n'y a pas besoin non plus de développer
dévaloriser la femme. C'est une femme qui a créé The Body Shop et au final, elle a bien réussi sa vie. Battons-nous, continuons à nous battre. On peut faire de grandes choses, nous, en tant que femmes. Et on va faire en sorte d'avoir l'égalité. Et c'est vraiment ce qui était représenté dans ce calendrier. Donc, je suis fière de pouvoir vous le présenter aujourd'hui. Donc, voilà les filles, moi, je vous retrouve demain pour un prochain bilan de calendrier de l'Avent. Mettez en commentaire de quel calendrier vous voulez que je parle demain. Moi, je vous retrouve demain dans une prochaine vidéo. D'ici là, sentez-vous belle, sentez-vous bien. Je vous aime très fort et je vous fais plein de gros bisous.